Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de War Hospital. J'espère que vous allez bien et on est toujours en live, on reprend notre aventure là où on s'était arrêté. Si mon chat veut bien grimper sur mes genoux? Non, il fait la tronche. Ok, il fait la tronche. Pas de soucis. Tac tac tac. Ici, on avait réenvoyé elle bosser en quart de 24 heures si elle peut tenir pour avancer sur nos rééducations parce qu'on est quand même à 6 sur 10. Et il faut qu'on génère un petit peu de l'aide de change. On avait un médecin qui arrivait, quand ça? Ok, lui il a pris du retard, mais à la rigueur c'est pas très grave. Ah parfait, c'est le même train qui nous apporte ça et les médecins. Ok, un brancardier, un brancardier, pour renforcer un peu l'équipe. Nickel, allez, c'est parti. Je crois que c'est le dernier ou l'avant-dernier là. Alors. Qu'est-ce qu'on a reçu comme patient? Ok, et ici, où on en a deux là. Alors, risque d'échec incertaine, risque d'échec incertaine. Ok. Il est fatigué notre mec là. Est-ce qu'on peut le faire travailler un peu plus? Bon, ils sont en état bon, donc pour le moment, on va y aller. En plus, on n'a pas les médocs nécessaires pour les soigner pour le moment. Ici, il reste un décès, ce qui veut dire que vous allez pouvoir aller bosser ici plutôt. Dépiler les cadavres, entre guillemets, si j'ose m'exprimer ainsi. Ici, il va falloir qu'on mette des ingés à en refabriquer un peu. Hein. Allez, go. Bossez là, bossez là. Non, vous travaillez tout de suite. Lui, il aimerait travailler au dépôt d'ingénierie. Parfait, donc c'est parfait. Donc, on va faire un peu de bouffe parce que mine de rien, ça tombe un peu à la bouffe. Hein. Et j'aurais dû les mettre plus tôt quand il y avait, vu qu'on n'avait pas de lettre de change, mais j'ai pas pensé. Il y a tellement de trucs à penser. Ok, on a un événement positif ici. Le corps du patient possède une forte tolérance à l'intoxication au gaz. Commence en effet à neutraliser les toxines de lui-même. Ah bah. C'est cool. Alors, administrer un dosage normal, il sera rapide plus vite ou un dosage plus faible et on réduit le coût. Non, un dosage normal. Pour l'instant, on a ce qu'il faut en ressources. On va pas commencer à. La merde comme ça. Allez, c'est parti les gars, faut bosser, faites-moi de la bouffe, faites-moi des produits chimiques. On est en train d'essayer de vous retaper un copain. Il faut un jour pour qu'il se refasse, cela dit, hein. C'est pas tout de suite. Plus de lettres de change. C'est que des deux, c'est que de un chevron cela. Allez, un petit moral, plus de lettres de change. Il nous faut du soldat apte au combat si possible. Avec un peu de bol, ce sera le cas d'un de ceux qui sort. Allez, le train arrive dans 1 heure, ça va nous permettre de dépiler un peu plus vite encore tout ça. Ce qui fera clairement pas de mal. Bah ouais, malheureusement. Alors, l'opération s'est très bien passée. Nickel, morale en hausse et ça le fatigue pas trop. Alors c'était une petite opération, donc ça devait de toute façon pas trop le fatiguer, mais c'est toujours ça de pris. Le petit 73 de morale qui fait plaisir là.
Ah, profitez de ce calme. secured. Profitez de ce calme. Alors, on a récupéré deux lettres de change. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Plus de brancardiers, pourquoi pas. Est-ce qu'on peut aller chercher la distillerie? Non, c'est 3. On peut aller chercher les marmites à ragoût, mais pour le moment, l'augmentation de morale n'est pas nécessaire. On peut aller chercher le chenil. On peut aller chercher ces deux trucs-là, en fait. On va le faire. La bouffe, on va aller plutôt, on va t'envoyer toi. On a 35 là, donc ok, donc on va aller lancer aussi ça. On va laisser travailler au bloc, mais on va envoyer celui qui se repose là. Hop, c'est parti. Donc là, on est d'accord. Le mec qui était ici, je l'ai renvoyé. Là, on fait de la nourriture et on fait des fournitures médicales. Parfait. Et on a nos médecins qui arrivent et nos brancardiers qui arrivent. C'est parti, les gars. Ici. Stable, stable. Toi, tu te lances là-dessus. Tu te lances sur lui. Lui. Parfait, on termine ça. Après, on ira chercher ça. Tu iras te reposer. Et on a même pas assez pour tout dépiler, hein. C'est waouh quoi. C'est la fête. Et donc du coup, on a des brancardiers aussi supplémentaires. Eux, ils sont au cimetière. Allez, on va les passer en 12 heures. Eux, on va les mettre en 12 heures aussi, c'est un peu plus calme. On n'a pas de fin d'opération imminente, on va dire. La campagne 1, c'est jusqu'à quelle date? Je sais pas. Pour l'instant, on doit tenir jusqu'au 21 juin 1918, mais est-ce que ce sera la fin ou est-ce qu'il y aura autre chose après? Je sais pas dire. Je ne sais pas dire. Ah, là, c'est l'infirmière qui fatigue ici. Elle est en quart de 12 heures. Oui, elle doit tenir encore 4 heures. Allez, allez. Courage. Courage. Promis, on embauche plus d'infirmières la prochaine fois. Ah, ici. Mais nos infirmiers, nos brancardiers, ils gagnent des niveaux, mais. Alors, mange un jour sur deux, le moral augmente lorsque les rations alimentaires sont de moitié. Ok. Se fatigue considérablement plus lentement lorsqu'il travaille seul, travaille considérablement mieux au cimetière. Est-ce qu'on peut mettre des rations alimentaires que pour une personne? Ça, c'est une bonne question. Bon, on va le monter pour le cimetière. On va essayer de se souvenir que lui, Tristan, il est fait pour bosser au cimetière. D'ailleurs, est-ce que je le vois ça? C'est pas marqué là, mais normalement, c'est marqué. Ici, ouais, c'est ça. Ah, d'ailleurs, ils ont des. Cette équipe-là, ils ont un trait positif slash négatif, quoi. Ok, donc lui, il faudra qu'on se souvienne. Et ils ont des traits aussi, nos nouveaux mecs? Non, des infirmières. Fatigue légèrement plus rapidement, travaille légèrement plus efficacement, n'est pas touché par les traits des autres, ok. Strict, le moral diminue avec le temps s'il ne travaille pas, le moral augmente avec le temps s'il travaille. D'accord. D'ailleurs, j'ai pas renvoyé nos mecs là. Oh là là, c'est pas bon ça. Go. Allez vous occuper de la fumée pas loin là. Il y a tellement de trucs à gérer dans tous les sens. J'ai complètement oublié de renvoyer les éclaireurs quoi. Niveau de nourriture, on consomme combien? Personne à nourrir 22. 43 on consomme par jour. Ouais, c'est chaud hein. C'est un peu short. C'est un petit peu short.
Livraison prochaine 10. Dans combien de temps? À 4 heures le 13 juin. D'accord, bah ça devrait être maintenant. C'est celui-là là? Peut-être pas, il vient de partir, je ne sais pas. Ah, un événement. Le patient. Ah, le rejet anesthésiant. Non, on va poursuivre avec anesthésie. Alors là, on bosse à fond, quoi. 5 sur 5 équipés, là. Ok, on en a quand même un qui se repose. Il est parti se reposer, donc on n'est plus à fond. On a été à fond pendant un tout petit instant. Pourquoi tu me fais des boing comme ça, là? Il y a une quête ou un truc? Non, on dirait pas. 49 sur 24, c'est pas mal, hein. 13 en attente d'enterrement. Faut plus de brancardiers pour enterrer les morts. Ça va, ça va, on y travaille. On les enterre, les morts, c'est bon. Tout va bien. L'infirmière, elle tient le coup. Elle est extrêmement épuisée. Il reste 3 heures à faire. Ça va le faire. Pendant ce temps-là, on dépile un petit peu les patients. Toi, tu vas passer en 24 heures. On peut pas se permettre pour le moment de ne pas travailler. Ici, par contre, ouais, on est en quart de 12 heures, c'est bon. Pareil pour le cimetière. Attention, je me rapproche de Biga là. Ouais, je fais ce que je peux, hein, mais bon, c'est chaud, hein. On a eu une période difficile, franchement, avec les deux assauts à la suite, plus le train de 6 blessés, là. On en a encore 7 qui arrivent là, mais on a notre troisième médecin, donc je pense que ça va changer la donne, ça. Regarde, déjà, on a 51 sur 24. Acta, il disait combien? 54 contre 31 au 15. Donc je pense qu'on va s'en tirer, là. La prochaine bataille, ouais, la prochaine bataille, on y travaille. Là, dans le centre de rééducation, il faut qu'on envoie des gens dans les tranchées, mais ils ont pas des forces de combat ouf, nos péons, là. Tant pis, on va faire avec. On va les envoyer dans les tranchées, là, parfait. On passe en puissant, là. Ça suffira. On essaiera d'envoyer un mec à 3 chevrons, si on peut, dans les nouveaux qui arrivent, là. Quoi, ça c'est le train de blessé? Non, c'est pas le train de blessé, ça. Non, c'est pas le train de blessé, ça doit être un train de ration, un truc du genre. Alors, ça y est, on peut recruter potentiellement des éclaireurs. J'imagine que c'est pas gratuit. Ah non, c'est une escouade, mais on peut mettre plus de monde dedans, du coup, peut-être. On verra. Entrer dans la tente d'éclaireur. Bon, là ils sont partis, mais. Ah oui, c'est 2 sur 6, d'accord, mais ça met pas des gens en plus en fait. Ok, bon. On va voir le chenille. Ça c'est bien. Alors, au niveau des autres améliorations maintenant, reconnaissance. C'est pas tout de suite. Avec 1. Avec 1, on peut pas faire grand chose. Hein. En soi, on peut peut-être faire des trucs. Perfusion, aile de trauma, hypnose. Réduit le risque de complications. C'est tout sur la traumatologie. Toutes les ailes, ça on l'a fait déjà. L'inhalation d'oxygène. Tout ça, c'est trop cher. Ça pourrait être pas mal, hein, quand il y a des attaques en masse, là. Éviter qu'ils se détériorent trop vite. Ah, l'électro-aimant, c'est bien aussi. Bon, globalement, il nous faut au moins 3...
3 lettres de change pour que ça soit intéressant. Donc c'est parti pour les lettres de change. Alors là lui il se repose. Lui il est en opération, lui il attend qu'on lui amène son patient mais c'est pas critique. Lui il attend qu'on lui amène son patient mais c'est pas critique. Ça va le faire. Là ils ont du taf, ils ont deux patients à emmener. Du coup vu qu'on n'a rien à construire. Au boulot en 12 h, au boulot en 12 h, c'est parti. Des produits chimiques, ouais des produits chimiques c'est parti. On consomme un petit peu d'alcool, ça va nous consommer un peu nos ressources, mais c'est vrai que la bouffe là, ça devient problématique. Alors, en attendant son patient, il se repose. Ah le doc, bah, je sais pas si ça compte comme du repos quand ils attendent le patient. Je sais pas te dire. J'ai pas remarqué que ça changeait grand chose particulièrement. Par contre, le patient il peut très bien mourir en attendant d'être emmené au médecin. Ça je l'ai vu. Ça on l'a constaté. Ok, allez, changement de car, mais vous finissez au moins votre boulot, j'espère. Donc là l'infirmière qui bossait là va aller se reposer, ce qui veut dire que les patients vont se détériorer plus vite. Lui il s'est suffisamment reposé. En avant, réveille-toi. Tu vas peut-être même pouvoir traiter ça le temps que l'autre dorme. Il va terminer ça, aller dormir. On va peut-être réussir à dépiler notre liste de patients. Enfin, il y en a deux autres qui arrivent là, mais... Plus les 7 du train, ouais, on va pas du tout pouvoir dépiler notre liste de patients. oubliez ça, c'est pas possible. Personne n'est disponible. Bah attends, il y a au moins deux trucs là. Ouais, bon, ok, il y en a un paquet qui sont en train d'en chier, mais c'est le changement de car. Laissez-leur le temps d'arriver, quoi. Allez. Ah merde, il est mort. On a perdu un patient. Bon bah tant pis, c'est la vie. Alors ici elle commence à être... Ouais donc toi tu vas te reposer, toi t'es juste épuisé. Donc pour l'instant on se calme. Ici on a un événement. L'opération s'est très bien passée, parfait. Du moral et le médecin se repose. Du coup, est-ce qu'il pourrait enchaîner? Ouais, il peut enchaîner. Allez-y, enchaînez. Il y a encore du boulot de toute façon. Sachant que là, en vrai, on pourrait même virer ça parce que vous n'avez pas du tout besoin de vous reposer. Si toi, t'es... Ah oui, t'as deux opérations complexes à gérer là. Est-ce qu'on pourrait pas inverser du coup? Opération complexe. Il est grave, là c'est stable, là. 2 h, ouais donc vaut mieux qu'il s'occupe de ça, ok. Ok, c'est parti. Nos brancardiers, tac tac tac, un de moins à rééduquer. Ouais, on peut voir ça comme ça, Minou, j'avoue, un de moins à rééduquer, oui, c'est vrai. Allez, eux ils reviennent, ils amènent les mecs à bosser, là du coup on en a perdu un comme ça, donc lui il est parti se reposer, ok très bien, lui il termine ça. Il y a tellement de choses à gérer, un code promo intéressant, bah le code promo dure jusqu'au 18, hein, donc tu peux continuer de réfléchir un peu, mais oui bah c'est clair que le jeu est franchement sympa, hein. Y a rien à dire. Hein. Est-ce qu'on les voit? Non, pas ça. Non, on les voit pas en train de creuser. Et le mémorial commence à se remplir quand même, hein.
Est-ce que je vais en faire d'autres des lives sur ce jeu-là, tu veux dire? Ah oui, il est là l'événement. Ok, une blessure nette, parfait. On diminue les chances d'échouer, c'est nickel. On a plus de. On a plus de comme ça. Est-ce qu'on a quelqu'un qui bosse pour ça? Oui. On a quelqu'un qui bosse pour ça. Donc, pas d'urgence. Pour la nourriture aussi. Et là également. Donc, pour l'instant, pas d'urgence majeure là-dessus. Ah, c'est vrai, lui c'était le VIP. Bon, on va le renvoyer dans les tranchées. Et toi, on va t'envoyer au QG. Alors, est-ce que je vais faire d'autres lives, Aminou? Il y a des chances, je sais pas trop. Déjà, on va terminer celui-là, mais ce qui est pas tout de suite. Mais j'aimerais bien avancer aussi Symphony of War. J'ai terminé Slim 3K là, donc ça se dépile, ça se dépile. Mais c'est possible que j'en fasse d'autres, ouais. Vu que le jeu est quand même vraiment bien et que j'accroche bien. Ok, un VIP. Un VIP. Alors, ouf. La violence. Opération épuisante, 12 heures d'opération. À l'intention du major Henry Wells. Je me tourne vers vous pour vous demander de l'aide au sujet de l'un de nos prisonniers allemands. Ah, bah c'est le prisonnier allemand de tout à l'heure, tiens, rigolo. Otto Geisch. Il a subi plusieurs blessures graves lors de son séjour dans l'un des bâtiments de notre bureau et il nécessite une assistance médicale immédiate. Nous vous serions reconnaissants de nous le renvoyer en pleine santé afin d'anticiper les éventuelles autres blessures qu'il pourrait subir. Ah putain! Ah la vache! C'est tellement ça. Ok, toi t'es bien reposé, donc tu vas te lancer dans cette opération. Ah, on passe de. Waouh! Non, c'est pas lui, du coup, je me suis planté. Toi! Je me disais, on passe à 12 heures. Non! Ne laissez-moi mourir! Ne me renvoyez pas chez eux! Par contre, il va être naze après. Mais on a lui qui a encore des capacités. Toi, t'es épuisé, donc si je te mets un mec là, tu vas être dans le mal. Ah, lui, il est grave, j'avais pas vu. Donc, toi, t'es encore bon. Je te mets là, ouais, extrêmement épuisé. Donc pour l'instant, tu vas te reposer. On va essayer de le sauver, mais on va pas non plus se tuer à la tâche. Ah non, j'ai pas fini Symphony of War. J'ai pas rejoué depuis un moment déjà. Et non, non, il y a tellement de trucs à faire. C'est pas fini encore. Je pense même que je suis assez loin d'avoir fini en vrai. Alors, on a le train qui est arrivé. Donc on a visiblement 7 patients supplémentaires. C'est cadeau. Ok, une opération successful, ça c'est parfait. C'était une bleue. Donc on va pouvoir. Ah non, il est en train de se reposer. Donc c'était une rouge, ok. Il attend son patient suivant, lui. Ça serait tellement bien d'avoir plus de mecs là. Toi tu te reposes. Toi, tu préfères travailler là? Bah, carrément, bosse ici. Vas-y. Et tu vas même bosser maintenant. Il faut que je fasse gaffe aux préférences. C'est vrai que là, on a un mec qui aimerait travailler ici. Faut il faut qu'il travaille ici, quoi. C'est pas à lui que j'ai mis le bonus. Murray, non, c'est pas à lui que j'ai mis le bonus. C'est Tristan Carter, là. Ouais, c'est ça. Je crois. C'est ça, c'est Tristan Carter. Donc, eux, ils bossent au cimetière. Bon courage pour ton daily, Aminou. Ouais, un patient guéri, on passe à 3 lettres de change, on va peut-être pouvoir faire des choses avec 3 lettres. Alors, on pourrait augmenter le nombre de brancardiers, mais vu qu'on n'a absolument pas ce qu'il faut pour recruter, c'est pas pertinent. On pourrait mettre une morgue, pourquoi pas. Réduire la difficulté des opérations, soit ici, soit ici. Ça peut être pas mal, hein, le trauma.
Ou alors on travaille sur le poste de secours. Pourquoi pas, l'hébergement on a dit non. En production, on pourrait aussi aller chercher la distillerie pour fabriquer de l'alcool. Vu qu'on en consomme maintenant. Ouais, on va faire ça. Et du coup, on va mettre le mec qui fait des produits là. Allez, go. Et là, on va passer en 24 heures. C'est parti. Au boulot. Là, elle tient le coup, l'infirmière. Ah, mais elle est toujours en 24 heures, elle, j'avais oublié. Tiens, il me semblait que j'avais dit que t'allais dormir. Ah, du coup, va dormir quelques heures. Tant pis pour eux. Bon, on a deux équipes de brancardiers qui bossent. Pourquoi ils envoient personne là, faut y aller là, faut m'envoyer des patients là. Hein. C'est bien gentil d'aller chercher les patients à la gare, mais faut les faire opérer aussi. Allez, c'est parti. On en récupère d'autres. Ah, il y en a quelques-uns encore. Hein. Allez, un patient soigné de plus, parfait. Et un autre. Ça, c'est cool. Ça avance, ça avance. Toi, tu vas être extrêmement épuisé après ça. Toi aussi. On va devoir mettre les repos. Une petite opération facile. Pour le moment, on va faire ça. Non, mais c'est tellement long leur truc là, ça arrête pas de s'augmenter, j'ai l'impression. Ça se termine jamais. Ah merde, là on commence à être plein par contre. Notre infirmière est en train de se reposer. Tant pis, on va envoyer elle. Non, toi, celle qui est épuisée, elle va se reposer là. Et toi, tu fais ça. Elles ont pas de préférence, donc toi, vas-y, faut qu'on avance sur le centre de rééducation là. Tu bosses jusqu'à 20 h, on fera le point après. On a un événement positif. Chance de survie plus élevée que prévu et le médecin ne se fatigue pas, ça c'est cool. Du coup, il faudra que je pense à regarder le médecin. On peut se traiter un patient de plus avant d'aller dormir. C'est une opération facile, donc on prend. On peut même se permettre d'ailleurs une opération comme ça peut-être. On garde la facile et on en profite pour faire la un petit peu plus fatigante. Ok, ça me va. Allez, on enchaîne. Il y a des médecins qui attendent là. Ils attendent leur patient. On a eu une attaque au gaz, donc ça nous plombe bien là-dedans. Mais normalement, ça doit commencer à être la fin là. Ouais, ça y est, c'est le dernier. On va recommencer à faire un peu de stock là-dessus. J'ai pas compris ce qu'il a dit. Qu'est-ce qui se passe au cimetière? Ouais, bah t'es extrêmement épuisé, c'est bon là, tu bosses jusqu'à 20 h, mais ça va bien. Ok, ici il va falloir sortir des gens, parce que 1 h encore. 18 h, 11 h, parce que ça commence à être un petit peu plein. Notre centre de rééducation. Ok, un patient qui sort. Ah, une infirmière qui monte de niveau.
Parfait. Accélère les opérations aux ailes opératoires, travaille considérablement mieux avec d'autres, travaille considérablement mieux tout court, ou se fatigue considérablement moins au PES. On va prendre ça, quoique. À un moment, on va avoir assez d'infirmières pour faire des rotations. On va faire ça. Alors, c'est ici le nouveau patient. Ok. Ah, pour l'instant, les listes d'attente sont pleines, mon gars. Désolé. Il y en a encore d'autres, hein. Ok, il n'y en a plus qu'un, visiblement. Et on en a encore 7 qui arrivent demain à 10 h. Ok. Mais on arrive à maintenir notre niveau de ration. Alors on gagne pas, mais on n'en perd pas non plus. Ok. Alors, les deux qui sont arrivés. Oh merde, on en a un qui est grave là. Vas-y, tu passes en priorité. Les chances sont élevées, les chances d'échec sont élevées, cela dit. Donc non, désolé, tu passes pas en priorité. On a personne là. On essaie de tous les sauver, mais il faut quand même faire des choix, même avec trois médecins. Ok, on a un patient qui sort, on a une ambulance qui arrive, fantastique. Lui, il va augmenter un peu la puissance de combat. C'est tendu. Il nous faut tellement plus de lettres de change. Je me demande si je devrais pas prendre. Ah merde, eux ils sont en train de s'effondrer là. Il leur reste des trucs à faire au cimetière? Un enterrement? Allez, finissez l'enterrement. Ouais, du coup, je me demande si je vais pas prendre l'infirmière qui travaille mieux, du coup, toi. Et je t'envoie là. Est-ce que ça fait des bonus? Test de rééducation plus 20 pour plus 0%, donc ça change rien. Alors je vais enlever la pause. Ouais, si, ok, c'est bon, ça change des trucs, faut bien attendre qu'elles arrivent. Toi, on se garde un œil sur toi, tu nous enterres celui-là. Et après, tu passes en quart de nuit, tu dors 4 heures. Ah, le temps qu'elle se déplace, on perd le bonus, hein, mine de rien. C'est bien fait, hein. Alors, on a terminé la distillerie. Avec une lettre de change, on va rien pouvoir améliorer. Donc, on va les envoyer bosser. Ici, on repasse en quart de 12 heures. Ah ouais, la vache, on est short, là. On est très short, même. Du coup, on repasse un quart de 24 heures en fait. Bossez un peu, vous n'êtes pas fatigué. Alors ici, qu'est-ce qui se passe? T'es épuisé, toi. Et du coup, tu donnes pas d'efficacité de rééducation finalement. Peut-être parce qu'elle est fatiguée, hein. On n'a peut-être pas le bonus des traits quand elle est fatiguée. C'est possible. 5 heures pour toi.
Vas-y, va là. Toi, va nous booster un peu le moral parce qu'on va avoir des morts. Et du coup, là, on est à 20-26. Donc, pour l'instant, ça change rien. Très bien. Allez, les patients de l'ambulance. Il y en a d'autres encore. Il y avait trois patients dans l'ambulance, sérieux? Waouh. Sir, may I inform you that I left a personal recommendation note with one of the patients who was re- Ok, on regarde. Et ici, on en a deux à traiter. Deux VIP, sérieux? Deux VIP là? Alors, ouais, passe. Je souhaite attirer votre attention sur le cas de Jonathan et Lucien Claire. Ces frères jumeaux ont servi dans une équipe de brancardiers tout au long de la guerre. Je vous demande de les soigner ensemble car ils semblent inséparables. Je crois qu'il serait d'une grande cruauté de laisser l'un d'eux mourir. Ouais, enfin, on fait ce qu'on peut, hein. J'ai confiance qu'une fois remis sur pied, ils pourront se joindre au personnel de l'hôpital. 4 et 4 et on accède, fantastique. Mais le temps qu'on en fabrique un, qu'on en soigne un, ça devrait aller. Et donc ici, on en a trois autres qui sont arrivés, mais il n'y a pas de VIP. Ok, très bien. Eh bien, allons-y, allons-y, travaillons. On va le tirer le médecin de son lit, là. Il s'était un peu reposé. Et il faut me faire un peu plus de trucs, là, d'ici qu'on ait fini d'opérer le premier. Ça devrait, je pense, être possible. On commence à plus trop avoir d'alcool, enfin plus trop, ça diminue on va dire. L'opération du prisonnier de guerre là qui nous prend des siècles. On va passer en vitesse 2 du coup. C'était aujourd'hui à 10h, non c'est demain à 10h qu'ils arrivent. Bah d'ailleurs avant qu'ils arrivent on va avoir une attaque. On devrait être suffisamment fort, en plus on envoie deux mecs là. Alors je sais pas si nos éclaireurs c'était aussi long parce que ils étaient fatigués ou un truc du genre, j'ai pas fait attention mais c'est une journée pour aller faire le truc juste au sud. C'est l'enfer quoi, c'est hyper hyper long avec les éclaireurs. Ça y est, c'est bon, on en a 5, donc normalement on va être juste, mais on va vider nos stocks, mais on va être bien. Allez, on va terminer deux opérations. Ah, on a récupéré 4 lettres, ça c'est bien. Une opération successful et lui, successful aussi. Parfait. Avec nos 4 lettres de change, est-ce qu'on peut faire quelque chose? 4, ça commence à compter, non? Ce qui serait bien, c'est d'augmenter notre production, agrandir l'entrepôt, ouais. Réduire la consommation de ressources, c'est pas vraiment le sujet. Ça non. Est-ce qu'on pourrait faire ça? On pourrait faire ça. Ouais, on va faire ça. Là, on arrive à remonter un peu les stocks, mais c'est pas non plus dingue. On va envoyer un mec bosser dessus. 24 heures. Waouh. Violence. Changement de quart. On a des gens ici de nuit. Ah oui, du coup ils y retournent. Non, non, bah reposez-vous, hein, il n'y a pas besoin de vous pour le moment. On avait personne pour le moment, donc on va espérer qu'il n'y aura pas besoin de vous pendant la nuit, mais en attendant vous reposez. Putain, ici on est plein et on n'a plus d'infirmière, alors attendez. Toi t'es épuisé, ouais, c'est problématique, effectivement. Tu te reposes du coup. Attends, on a plutôt besoin de toi là en fait, pour le moment, parce que le poste d'évacuation sanitaire, alors il y a du monde, mais ça va quoi. On arrive à s'en sortir.
relativement. Alors que là, il faut qu'on sorte des gens. Clairement, il faut qu'on sorte des gens. Ambulance, fantastique. Un patient soigné, parfait. Et deux nouveaux patients, voyons ça. Qu'est-ce qu'on a? Ici, 9 heures d'opération, waouh. On en voit. Là, on a un mec stable. Donc un petit peu dans le mal déjà. On va le mettre là. Lui va se lever relativement dans pas longtemps. Et cela, on va voir comment la situation évolue. Bon, au moins on a sorti une personne là. On va en sortir une autre bientôt. Deux chevrons de combat. Toi, 8h, tu es là. Ça sera avant l'attaque. Parfait. Et on va continuer de générer de la lettre de change. Ah merde, on a une mort. Alors, le QG est heureux de vos performances actuelles. Étant donné la matière dont vous avez géré le cas du sergent Clark Hill, les soldats au front se sont inspirés de lui et leur morale a connu une embellie remarquable. On gagne 1 de recrutement. Qu'est-ce qu'on peut faire avec 1 de recrutement? Commander un brancardier supplémentaire ou peut-être bientôt un éclaireur supplémentaire. Ouais, on va le faire ça. Voir si c'est une escouade ou si c'est juste un mec qu'on peut mettre dans une escouade. Ah lui il est devenu stable direct. Du coup il va falloir que tu passes devant. Là on bosse. Ah c'est celui-là qui est mort. Bon bah tant pis. C'est vrai que j'ai pas trop regardé mais les chances là. Incertaine, incertaine, oh, ça va. Ça va, ça va. Et là, on est en train de travailler sur les jumeaux. Du coup, on a un décès. Blablabla, hop là. Vous, venez bosser. Ah. Le QG leur demande de vous envoyer la fourniture de médicaments antipsychologiques car ils subissent des retards de livraison. 4 pour 2. Ouais, 4 pour 2, ça me va bien. Avec 3, on peut prendre une infirmière. On va attendre peut-être de voir pour l'éclaireur. On va attendre de voir pour l'éclaireur. Bon, par contre, du coup, c'est la dèche. Donc, on va quand même demander. Avec nos 9 là, on en prend 15 comme ça. Ça et ça, on sait le fabriquer, mais lui, on sait pas encore le fabriquer. C'est parti. Et en termes de ingénieur qui bosse, il va falloir qu'on en envoie un bosser là aussi à un moment. 4 ingénieurs, ça commence à être un peu short. Il nous faudrait combien pour améliorer les ingénieurs? On l'a déjà fait l'ingénieur des nommés. On peut embaucher des ingénieurs si on le souhaite. Parfait. Sir, operation was successful. Nickel. 62 sur 27, c'est pas mal. Antipsychologique. Oui, antipsychologique, exactement. C'est tout à fait ça. Antipsychotique. Je vais y arriver. Et salut Matoy. Ouais, des fois j'ai des petits lapsus hein, quand je parle vite en lisant les trucs. Bon. Les brancardiers. Les brancardiers que j'arrive pas à dire. Terrible, terrible. La faiblesse du streamer français. Ah, lui il se remet vite et il donne 1, on va l'envoyer là. Ça c'est un captif, oui ok. 2 jours pour se remettre lui. Putain, il va nous...
Ils l'ont vraiment pas raté, hein. Ça fait le sel du stream. Merci. Ah ouais, l'autre, il va se faire une petite cure de pluie sur le bord de la rivière. Ah, il y a un événement là. Qu'est-ce qui se passe? C'est rouge. Nos stocks d'alcool sont presque à sec. Nous devons réquisitionner de la levure auprès des boulangeries pour alimenter notre provision. On gagne 10 d'alcool, mais on perd un peu de morale. On a 84 de morale, on va prendre. 10 d'alcool, ça nous économise un ingé qui bosse dessus. Et salut Yaddle 67, bienvenue sur le live. J'espère que ça va bien et bienvenue sur la chaîne, puisque c'est la première fois a priori que tu interagis. Ok, nos brancardiers sont en train de glander, donc c'est qu'il n'y a probablement rien à faire du coup, j'imagine, s'ils glandent. Alors, on a réussi à opérer un jumeau, apparemment, et... Ah oui, ils dorment tous nos mecs, là. Par contre, on a des gens stables, là, à gérer. Donc toi, tu vas te lever, et tu vas me faire plaisir de t'occuper de tout ça. Et ça consomme un max de ressources. C'est tendu. Pour l'instant, ils sont pas fatigués, donc ça va. Ouais, mais on peut 20 h, on va pas attendre pour ouais, si on peut attendre. On peut se permettre d'attendre. Eux, ils bossent, mais ils se reposent plus ou moins. Alors, tu viens de perdre ta game, du coup tu regardes si je m'en sors mieux que toi. Ah bah écoute, je sais pas à quel niveau tu l'as perdu, mais pour l'instant ça se passe pas si mal, on va dire. Notre diagnostic initial était erroné. La plaie a été nettoyée et les éclats retirés, mais il n'y a aucun dégât interne sévère ni complication. Nous devrions pouvoir terminer rapidement. Bah écoute, c'est parfait. L'opération est plus rapide et en plus on se fatigue moins. Après, on sait que sur un coup de rush, un train qui arrive avec des mecs bien pourris ou genre de choses, ça peut partir en sucette. Hein. Et merci pour ton follow, Matoy, du coup. Bienvenue bis, bienvenue plus plus. Alors on en a un autre qui sort, deux qui vont pas tarder à sortir, ça c'est cool. Allez, l'ingénieur faut qu'il bosse un peu. Bon, ils sont presque arrivés eux, j'espère que l'événement valait le coup. Jour 13, suite à un problème de bouffe, il y a 3 events de merde. Ouais, j'avoue, j'ai eu un seul event de merde pour le moment et déjà je flirte avec le 30 depuis. J'ai pas trop le temps d'envoyer de temps de mettre plus d'ingénieurs à bosser là, donc clairement c'est vrai que c'est tendu quand ça arrive. Cela dit, vu que j'ai pas mal de lettres de change, je pense que je vais peut-être même en commander des ressources. Ça coûte pas cher. On va remonter à 130, ça serait bien pour 5. Et vu que pour l'instant on peut pas vraiment construire, on va recommander un peu d'alcool pendant qu'on y est. Tu fais bien de m'y faire penser. Allez, c'est parti. On confirme la commande. Ça va nous remettre un petit peu moins dans le jus. Alors, les deux nouveaux patients. Ok, il y en a un qui va là pour 7 et on en a 10 dans notre possession. Ok, ça va passer juste. Par contre, il va être épuisé, donc vu qu'il est bon, on va lui demander de se reposer avant. Et là, on a récupéré lui. Encore 35 minutes de repos pour toi. Eh bien, écoute, au boulot. Est-ce que tu pourras faire celui-là avant d'aller dormir? Je pense que oui, c'est 2 heures, pas trop fatigant. Là, on a des belles chances de se rater quand même. Donc, on va voir comment ça se passe. Alors là, on a des brancardiers fatigués. Bah, vous arrêtez de bosser dans 1 heure, donc ça devrait aller. C'est à 10 h aujourd'hui qu'il arrive le train avec ses 7 mecs là. Et les 100 ressources bonus. Et bah, écoutez, fantastique. On va se prendre 7 blessés dans la tronche. Hein. Ici, ça y est, ils commencent à fatiguer un peu. On va aller continuer de les faire bosser. Quand est-ce qu'on le termine de le soigner, l'autre VIP là?
Dans 3 heures, on va peut-être savoir un ingé de plus dans 3 heures. C'est bon à savoir. Et ça, c'est pareil, ça va arriver quasiment en même temps que. Et le train de prisonniers va arriver. De prisonniers, de blessés va arriver quasiment en même temps que l'attaque, quoi. On va être bien comme ça. Donc là, il n'y a personne qui bosse, c'est pas grave. J'ai des gens qui partent dans des lettres de change là, ouais, un peu. Toi, t'es un plus un, vas-y, donne-nous une lettre de change. Ah, enfin, ils sont arrivés. Suivant la fumée, les éclaireurs tombent sur une petite ferme, dont les bâtiments ont manifestement subi un incendie et achèvent de se consumer. Un homme présentant de sérieuses brûlures se tient devant les ruines fumantes, entouré de quatre enfants. Un corps gît à leurs pieds, atrocement brûlé. Ils sont manifestement en état de choc, affligés par le désespoir, la douleur se lisant dans leurs yeux vides. Lorsqu'il est abordé, l'homme retrouve un semblant de calme. Il explique aux éclaireurs que sa maison a pris feu et que sa femme n'a pas pu échapper aux flammes. Il a tenté de la secourir, mais il était trop tard. Quand il apprend que les éclaireurs viennent de l'hôpital, il leur demande d'y emmener ses enfants. Il sait qu'on y prendra soin d'eux. En échange, il propose ce qui reste de sa ferme et ses provisions. Ah, on sait pas ce que ça donne. Proposer d'accueillir tout le monde. Accepter la demande. Bah, on propose tout le monde, ouais. 5 blessés bonus, cadeau. 50 de nourriture et 200 de fourniture. Et on a la ferme incendiée comme emplacement de pillage, ok. Pas évident ce jeu, mais tu as sauté dessus jour 1. En fait, j'ai sauté dessus jour moins 2 même. Si on peut dire. Alors, vu l'état dans lequel se trouve l'homme, le commandant refuse d'emmener les enfants s'il ne vient pas lui aussi. Il s'efforce de le convaincre que même à l'hôpital, quelqu'un doit s'occuper d'eux et qu'accueillir une personne de plus n'en changera pas grand-chose. L'homme semble encore plus peiné. Le commandant voit bien qu'il n'a guère plus envie de vivre, mais lorsque le fermier regarde ses enfants, une faible lueur d'espoir apparaît dans ses yeux. Il accepte la proposition. Et ben on rentre. Et on rentre instantanément ou pas? Ah ouais, on rentre instantanément. Enfin, peut-être. Enfin, on dirait que si. Ok. Donc, on a débloqué ce truc-là. On peut les envoyer en 0 minutes pour de la bouffe et des ressources. C'est pas une priorité, la bouffe et les ressources. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc là, on avait le chariot suspect pour 12 heures. Et là, le fantôme de la forêt. Ah oui, les traces possibles d'Allemands. On va aller jeter un œil. 8 heures, ça sera après l'attaque du coup, mais peut-être qu'on apprendra des choses intéressantes. Du coup, j'imagine qu'on a des nouveaux patients. Non, ils sont pas encore arrivés. Alors, est-ce qu'ils sont arrivés, genre au poste de secours? Non. Bon, on va voir si, si nos brancardiers vont les chercher quelque part. Bon, déjà, on a les 7 là qui arrivent là. En mode youhou, c'est la fête. Est-ce que ils sont peut-être dedans, hein. Il y a peut-être 7 plus les 5. Alors, deux brûlures sévères, mais son corps commence déjà à guérir. Parfait. On économise un peu de fatigue. Pour toi. Bon, bah pour le moment, il n'y a personne d'autre. Donc, si j'enlève leur peau là. Et bien le bonsoir, Xebus. Bienvenue sur le live. J'espère que tu vas bien. Ta journée de boulot probable s'est bien passée. Toi, tu commences à être un peu sur les rotules, mais on a bien récupéré, donc on va te laisser te reposer. Enfin, d'ailleurs, plus précisément, ce qu'on va faire, c'est qu'on va te mettre là, mais on va passer en quart de. Quart de 12 heures. Bah, tu bosses au dépôt d'ingénierie, toi. Ah oui, mais tu bosses pas, t'es en train de te reposer. Et lui, il fait sa vie ici. Ok. Tu viens découvrir cette pépite, et bah écoute, t'es le bienvenu. Et effectivement, je pense qu'on peut parler de pépite. Alors, faut aimer le côté gestion, mais il est vraiment très bien. Un message est arrivé pour nous. Major Wells, on m'a signalé que c'est à vous que je devais avoir la vie sauve. Conformément à la suggestion respectueuse du lieutenant Kumar, je souhaite vous proposer mes compétences pour devenir ingénieur dans votre hôpital. Ah, carrément.
carrément, mec. Et tu vas même aller bosser direct là-bas pour aider un peu. Quoique. On va plutôt faire ça et passer en mode 12 heures. 24 heures. Parce qu'il nous faut masse de fournitures et on a masse de blessés qui arrivent en plus, donc j'ai aucun doute que ça va être masse la merde. Niveau affectation, on est sur le quart de jour où il y a deux brancardiers qui bossent. Lui va avoir juste le temps de se reposer avant d'aller bosser là. C'est parfait. C'est parfait. Donc là, c'est un peu la merde. Hein. Ouais, y a des mecs là qui sont en train de se tenir le bide, il y en a qui sont allongés. Il va falloir nous transporter tout ça, les gars. Donc Zebus, hein, le jeu, c'est vraiment de la pure gestion slash survie. C'est-à-dire qu'on doit gérer toutes nos ressources qu'on a en bas, que ce soit la construction, les médicaments, les pilules antipsychotiques pour les blessés psychologiques, ça pour les blessés chimiques, la bouffe, l'alcool, le recrutement, l'aide de change qui nous permettent de faire des ressources. Et en gros, on doit trier nos blessés à l'arrivée, les envoyer sur les médecins, essayer de faire en sorte que les médecins se reposent pour qu'ils ne soient pas trop dans le jus, HS, etc. Et une fois que c'est fait, on doit les retaper, s'ils ne sont pas morts bien sûr. On doit les retaper et décider de les envoyer, soit les renvoyer au front, soit les envoyer au QG pour la contre-attaque, soit les libérer carrément pour gagner un petit peu de morale. Sachant que on a toujours la possibilité de refuser de les soigner. Si les risques d'échec sont trop élevés, on peut dire bah voilà, désolé, je refuse de te soigner, je te mets en soins palliatifs, en gros on lui file du laudanum jusqu'à ce qu'il en meure quoi. Globalement. Et du coup, quand il meurt de cette manière-là, ça fait perdre un petit peu moins de morale que quand il meurt dans les mains d'un médecin. Alors, on va mettre celui-là. Il a une opération un petit peu plus compliquée. Lui va devoir se reposer, donc on va mettre dans cette liste-là. Et on a personne ici, ça travaille dur. Il est toujours sur le VIP là? Non, on a soigné les deux VIP, c'est parfait. On a soigné les deux VIP, donc on va voir ce que nous réserve la nouvelle fournée de blessés. Tu vas l'acheter, ça te parle à fond. Bah écoute, si les 2 minutes que tu as vues te suffisent, avec plaisir. Alors il y a une autre partie du gameplay, bon, sur laquelle on n'a pas trop de prise, mais qui est la gestion des tranchées. En gros, régulièrement en haut, là on voit dans la timeline, il va y avoir des attaques d'Allemands. Et on doit faire en sorte de tenir ces attaques avec la tranchée qui est collée à l'hôpital. Donc en guérissant suffisamment de personnes et en les renvoyant au front pour qu'ils protègent l'hôpital. Sachant que si jamais ça ne passe pas, bah on perd la partie. Et bien sûr, quand les Allemands attaquent, ça nous fait des blessés supplémentaires, avec parfois des événements spéciaux, etc. Et là, on en a bientôt une. Juste alors qu'on a un train qui nous a amené 7 blessés. Le prochain train qui amène des blessés, c'est le 15 juin à 10 h, et après c'est tous les jours à 10 h, en gros on a des blessés, il y en a de plus en plus quoi. Fantastique. Et merde, on a perdu un patient. Est-ce qu'on a quelqu'un qui bosse au cimetière là? Non, il se repose lui. Bah écoutez, venez bosser, on a besoin de libérer la table d'opération. On a quoi? Ok, dans 11 minutes on gagnera un petit plus 1. On va envoyer lui, je pense. Et puis toi aussi t'iras là, mais c'est dans 15 heures, donc il y a encore le temps. Alors ici ça fatigue. Ouais, ça commence à fatiguer. Mais on a clairement besoin de nos ressources. Alors à la limite, ce qu'on peut faire, c'est inverser là. Toi tu passes en quart de nuit, comme ça tu te reposes, et toi tu t'es reposé un peu, tu vas bosser. On a un patient soigné, parfait.
Alors, dans notre liste de nouveaux patients, on a un mec. Ah, on a un mec qui est juste stable là. Donc, il faudrait qu'on opère assez vite. On va profiter que lui n'a pas encore eu son. N'a pas encore son patient sur la table pour mettre celui-là. Et ça, c'est une petite opération facile. On va la mettre là, après les deux patients graves là. Ouais, d'ailleurs, on va mettre peut-être plutôt faire ça. Ça, c'est une opération de 2 heures. On va opérer les deux qui sont en état grave avant qu'ils ne meurent, si possible. Et on a aussi un gameplay qui est pour l'instant pas super développé, mais qui permet d'envoyer des escouades d'éclaireurs sur la map pour essayer de trouver des bonus ou des événements spéciaux. Allez, faut te sauver toi. Parce que là, c'est vraiment la dèche. Hein. Ah, une petite montée de niveau pour notre infirmière. Accélère les opérations aux ailes opératoires. Ah bah c'est parfait. Mange un jour sur deux. Ses compagnons de travail se fatiguent moins vite et travaillent plus efficacement, n'est pas touché par les traits négatifs des œufs. Non, accélérer les opérations, je pense que c'est bien. Carrément même. Ok, bah 68 sur 28, on est bien. Hein. Pour l'instant, on a un meilleur ratio que Bigadin. Alors, je dis ça, si t'es toujours là à lurquer, Bigadin. par contre, il y a un truc. Le centre de rééducation, toi, j'aimerais bien que tu retournes bosser ici. Pour l'instant en repos, mais du coup on t'avait mis un truc qui faisait que t'étais plus efficace, mais j'ai pas l'impression que c'était vraiment efficace au truc de centre de rééducation, donc on va te mettre plutôt à l'aile opératoire. Allez, on a encore des nouveaux patients. Oh, on en a qui est en état grave là. Est-ce que tu aurais la forme de le gérer toi? Non, pas vraiment. Donc on va le mettre là du coup. Après ce patient grave là, celui-là est en état stable. Le mec qui est en état bon, on va attendre. En chance d'échec, on est sur élevé là. Donc en fait, on va peut-être carrément refuser de te traiter finalement. Lui aussi il est en élevé, c'est une opération difficile. Mais on va essayer vu qu'il est en état stable. Le triage risque de devenir plus compliqué dans pas longtemps. Niveau ration, on en bouffe 46 pour le moment par jour. Ouais, c'est un peu chaud de. On a les trains, tac tac, lui vient avec 11 rations, 10 rations, 19h, 4h. Lui vient sans ration, lui vient avec 10 rations. Ouais, c'est un peu chaud de faire 100 en fabriquer là maintenant. Hein. 50 par jour. Ah, un petit événement. Moins 10 heures de réhabilitation. Eh bah go. Ça, c'est un patient comme on les aime. Enfin, faut encore qu'il survive, mais s'il survit. On sera bien. Alors là, ça y est, on a amené tous les blessés. Ouais, ça y est, ok, parfait. On va attendre que lui arrive et on va aller faire le tri définitif. Alors, bonbon, aucun ici, très bien. Toi, tu te reposes encore pendant 1 heure et après, ça sera l'assaut, donc tu vas te bouger les fesses. Ok. Donc toi, on sait que quand tu vas te lever, tu vas avoir du taf ici. Au niveau des améliorations, est-ce qu'on peut encore améliorer la production de notre infirmerie? Elle est là.
Plus de postes de production, ok, mais il faudrait améliorer le dépôt d'ingénierie pour ça. Ou réduire le coût en ressources. Mais on a un truc pour réduire le coût en ressources moins cher ici. Mais c'est pas trop un problème le coût en ressources en vrai. Vraiment pas un problème, c'est la vitesse de production. Donc pour la vitesse de production, il faudrait plus de postes de production. Donc aller chercher ça pour 2 et après aller chercher ça pour on sait pas combien. Le stockage, c'est pas non plus vraiment un problème. Ok. On a une ambulance qui arrive, parfait. Des petits blessés juste avant l'attaque. Parce que justement, ça se passait bien. Alors. Ah bah ils sont là. Ok, donc toi tu vas là, après tu vas probablement dormir. Bon, c'est une opération pas facile même si elle prend 6 heures. Et du coup toi il est grand temps que tu te lèves. Go. Gère-nous ces patients là. Debout. Ah, des tirs d'artillerie. Les enfoirés. Suivi par une attaque en plus. C'est pas illogique, hein, mais bon, heureusement on avait du monde. Et encore, à gauche. Alors on avait vu que cette attaque elle était sacrément costaude. Il nous avait fallu beaucoup de monde pour la gérer. Du coup, là on a des blessés là-bas. 5 blessés à gérer. Donc, les gars. Toi, tu vas ici. Et toi, tu te lèves, tu vas ici. Il faut me ramener ces blessés. Là, on passe en 24 heures. Au boulot! Est-ce qu'on est au maximum en termes de brancardiers? Oui, on est au maximum. Donc il faudrait qu'on éventuellement augmente le nombre de brancardiers. On pourrait aussi recruter un ingénieur, un brancardier avec nos trucs. Donc il faudrait qu'on améliore les brancardiers. Très bien. Là, on en est où? 14h, 2h. On va avoir un petit plus 3 dans 2 heures. Ça va peut-être être intéressant ça. C'est parti. Là, on va avoir du taf là. Je vais pas me spoiler plus, mais tu regarderas ta presta quand tu auras testé. Alors oui, c'est des. Il y a une part d'aléatoire dans le jeu, hein, mais c'est des chapitres scénarisés, globalement. Mais après, tous les événements, le nombre de blessés, les trains, les traits des personnages, etc., c'est aléatoire. Faut remplir le cimetière pour gagner, voilà Minou a tout expliqué du gameplay. Et merci le papillon qui trinque. On trinque pour le papillon. Et bien sûr, juste quand je bois un petit événement. Alors, ah. Réduire le coût ou. Réhabilitation plus rapide, moins 12 heures. Moins 12 heures, la vache, ça veut dire qu'il a combien de temps pour se réhabiliter? On va prendre le normal. Et on va mettre quelqu'un d'autre à bosser dessus, du coup. Toi, va bosser là. De toute façon, notre éclaireur là, ça va pas être tout de suite. Oula, qu'est-ce qui se passe? Ah merde! Ah les salauds! Ils ont attaqué notre train! C'est tellement pas cool. Probably a stray shell or really accurate shot. It does not really matter right now. We should focus on helping the survivors. I already dispatched some of my men to the wreckage, Major. Thank you, Lieutenant Colonel. Vous êtes sérieux? Sir,
An artillery attack this close to the hospital is certainly a violation of the Geneva Convention. I think we should report this to HQ. I understand. We will prepare a report to HQ later. But first, we need to help the survivors and clear the wreckage. I will send some of my men to start the cleanup soon. But I would appreciate help from your engineers. It should speed things up significantly. Aïe 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 aïe. Deux ingénieurs pendant 8 heures pour aider au déblaiement. En attendant, les trains ne pourront pas atteindre l'hôpital. On ne sait pas combien de temps ça va prendre de base par contre. Mais deux ingénieurs, ça veut dire... On travaille plus sur notre truc et on fait plus du tout de ressources. Ni de bouffe. On peut se permettre, hein, on peut se permettre de plus trop travailler sur la bouffe pendant un temps. Ouais, on va le faire. On peut se permettre de toi t'envoyer là. Et toi t'envoyer là. Donc on arrête de travailler sur ça. On focus les ressources, on arrête de travailler sur la bouffe. Et on essaye de gérer ces ingénieurs, ce déblaiement là. Alors là il y en a déjà un qui est fatigué. Ah putain, ils sont épuisés tous les deux. Ah, ils sont censés s'arrêter de bosser dans 2 heures normalement, mais ça n'arrivera pas. Hein. Je suis désolé les gars, mais ça n'arrivera pas. Ah, et on arrive ici, le fantôme de la forêt. L'escouade d'éclaireurs trouve le sentier dans la forêt et entreprend de le suivre. Régulièrement apparaissent les traces d'une personne qui l'emprunte fréquemment. Ces traces sont bien camouflées, suggérant quelqu'un qui s'y connaît en pistage et en furtivité. Peut-être un chasseur ou un espion allemand. Soudain, des coups de feu éclatent. Ils proviennent d'un endroit proche, plus ou moins dans la direction où conduit le chemin. On va approcher et observer la zone. L'escouade d'éclaireurs se rue en avant, les fusils prêts à tirer. Dans une clairière, ils aperçoivent un vieil homme armé d'un pistolet P-14. 4 cadavres de soldats allemands gisent à ses pieds. Ah ouais. Vache. Il semble occupé à les fouiller pour prendre leur plaque d'identité et leurs munitions. Il met la main sur des papiers, certainement des ordres allemands, et passe un moment à les étudier. Le commandant des éclaireurs décide de se révéler et lance des salutations en sortant de sa cachette. Lorsqu'il entend du monde approcher, l'homme saisit son fusil mais abaisse le canon à la vue des uniformes britanniques. Interrogé, il raconte qu'il vit dans la forêt voisine et qu'il cause des soucis aux Allemands depuis le début de la guerre, selon ses propres mots. Après une brève conversation, le vieil homme informe les éclaireurs d'un convoi allemand qu'il observe depuis un moment et leur demande de l'aide pour attaquer. D'accord. Fort bien. Du coup, on peut traquer un convoi allemand. Pour 3 heures. Et on gagnerait de la nourriture et des ressources. Bah, bon. Go go go, je préférerais gagner du personnel mais on va pas le trouver dans la forêt donc je suis pas surpris qu'on n'en propose pas plus que ça. Oh la vache, le rush de blessé. On va trop en chier. Ok, on a des patients soignés, on est à 9 sur 10. Oh là 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 là. Bim 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 bim. Allez, c'est cadeau. Et bien sûr, c'est que des mecs d'ici, hein, forcément. Alors, du coup, et en plus, ils sont plutôt stables. Bon, fantastique. Toi, chance d'échec élevée. Désolé, mais ça sera non. Toi aussi. Tous les autres, c'est envisageable. Donc, une opération épuisante. Toi, t'es fatigué. Lui, il vient juste de partir se reposer. Il va falloir bosser un peu. Là, on peut caler une opération pas trop fatigante, peut-être 2. Et en plus, on a. Waouh, oh la vache! Ah, ça va être tendu du string. Hein. En plus, on a les blessés de l'attaque qui arrivent là. Là, va falloir qu'on fasse des choix là. Est-ce que on a. Une infirmière qui bosse ici? Non. Bah, il va falloir. Il va falloir. Toi, t'arrêtes de bosser dans 1 heure, très bien. Et là, il faut sortir les gens. Là. Ici, il faut qu'on évacue du monde. Lui, il sort dans 2 heures. On va l'envoyer dans les tranchées parce que c'est un bon soldat, il a 3 chevrons. Toi, tu peux partir. Vas-y, ramène-nous des lettres. Toi, tu pars dans 5 heures.
On a pas mal de boost de morale là. Ah oui, non, quoi que non, c'est les VIP. On va avoir un des brancardiers de plus, probablement. Ça va faire plaisir. Sir, patient is cured. Allez, 6 lettres de change. On va demander des ressources. Ah bah non, on a le train qui est mort. On va pas demander de ressources. On va stacker ça. Tant pis. Ici, ils bossent à fond, ils peuvent pas faire plus. Très très bien. Faut qu'on fasse avec nos 480 parce que pareil, il n'y a pas de train qui arrive. Donc, du coup, on fait 100. Ok, un soigné de plus. Heureusement qu'on a agrandi notre poste d'évacuation. Hein, parce que là, ça aurait été vraiment le drame. Hein. Là, on a réussi à en ramener un. Fort bien. Ici on enchaîne, un mec qui emmène là-bas, un mec qui amène le nouveau. Ok, donc lui il a récupéré. Le train quoi. Ah, le chirurgien qui monte de niveau. Oh, c'est bon ça. Qu'est-ce que tu peux faire? Augmente considérablement les chances de simplification. Réalise les opérations plus rapidement, se fatigue légèrement plus lentement, travaille plus efficacement, n'est pas touché par les traits négatifs, se fatigue légèrement plus lentement, réduit considérablement les risques de complications. Il nous faut plutôt de la vitesse là. Hein. Vu le bordel que c'est. Du coup c'est toi. Ah, on voit son bonus, ça c'est cool. Est-ce que du coup il est potentiellement pas fatigué? Non, il va être très fatigué quand même. Par contre, genre lui c'est 4 heures et si je le mets là, c'est 4 heures aussi. D'accord, donc c'est pas forcément visible tout de suite. Changement de car. Ici il bosse 24 heures, ici il bosse 24 heures, c'est bon. L'infirmière. 24 heures, 24 heures. Toi tu vas aller te reposer. Remplacé par ta copine. Le seul qui a le droit de se reposer. Vous vous reposez 2 secondes, le temps de terminer les opérations. On a personne là, hein? Non. Là ça bosse, ok. Et on a un médecin qui dort là, hein? C'est ça. Ouais. Il a dormi 2 heures. Est-ce qu'il pourrait reprendre? On peut dépiler un peu. 2 heures de repos et au boulot. 11 heures lui pour sortir. C'est chaud. Les blessés par gaz moutarde, ils ont tellement de temps avant de récupérer quoi. Ok, s'ils ont réussi à ramener 2 blessés, pour l'instant on n'a pas de décès, c'est plutôt cool, ils sont pas en trop dans le mal. 3 patients refusés qui sont pas morts encore. Qui sont pas encore morts, mais ça va pas tarder. Mais on a un bon moral quand même, ça fait plaisir. Là c'est marrant parce que lui, ouais en fait il se repose, hein. Aminou tu posais la question, il se repose quand ils font rien, parce que là ils font rien et ils sont passés d'épuisés à relativement moins épuisés. Donc ça les repose un petit peu quand ils font rien. Et salut Silkanael TV, et bah écoute, bienvenue sur la chaîne, et bienvenue sur le live, et le jeu est franchement très très bon. Ah merde, on vient de perdre quelqu'un par contre. Il va donc nous falloir quelqu'un. Alors normalement c'est lui qui est efficace au cimetière, mais pour le moment. Non, plutôt toi. Puisque toi t'as des bonus de morale quand tu travailles là. On va envoyer. On va devoir envoyer quelqu'un transporter le cadavre. Mais ouais, j'en suis à ma quoi 5ème heure de live, 6ème heure de live aujourd'hui sur le jeu, donc il est très bon. Je pense pouvoir dire ça. Eh bah écoute, si tu veux regarder un peu,
Le jeu est scénarisé, en fait on joue des chapitres d'histoire, donc il y a une barre de spoil entre guillemets, mais pas non plus trop, dans le sens où, à part le scénario, tout le reste est aléatoire. Il va y avoir des attaques d'allemands qui sont aléatoires, des événements qui sont aléatoires, les patients sont aléatoires. Potentiellement la carte d'exploration dont on vient de popper un événement est aléatoire, mais ça je suis pas sûr puisque je l'ai fait qu'une fois. Et là on les avait envoyés dans un camp allemand, situé dans une ferme abandonnée, se compose de plusieurs camions et d'une dizaine de tentes. Certains véhicules sont manifestement en panne, car des mécaniciens travaillent sur leur moteur. La ferme est lourdement gardée, de nombreuses patrouilles battent le périmètre. Ah oui, alors à deux ça va être chaud, hein. Le commandement des éclaireurs voit bien qu'il sera difficile de prendre le camp d'assaut. Mieux vaudrait avertir le QG qui pourra envoyer une force plus conséquente. Cependant, avant qu'il puisse ouvrir la bouche, le vieil homme désigne les camions et propose un plan. Les éclaireurs feront diversion et pendant ce temps, il approchera discrètement des camions pour faire exploser leur réservoir d'essence. Les évaluations Steam sont assez moyennes pour le moment. Ah oui, c'est vrai. Ah, faudrait que j'aille voir ça parce que j'ai pas vu de défaut flagrant au jeu. Après, moi je peux pas faire de review, enfin je peux pas faire de review. En fait, j'ai un groupe de curation. Du coup, quand je fais des reviews dans le groupe de curation, ça compte pas dans la note, même si elle est la bonne, même si elle est bonne. Donc, du coup, on peut pas faire les deux. Non, mais si des viewers ici ont acheté le jeu et le trouvent sympa, n'hésitez pas à faire une review. Ouais. Alors, on peut suivre le plan, prendre le camp sans le détruire. On va essayer de suivre le plan du vieil homme, après tout, pourquoi pas. Alors, l'escouade approche furtivement du camp et au signal du commandant ouvre le feu. L'escarmouche devient vite une vraie bataille, puis une défense désespérée, les éclaireurs cédant lentement mais sûrement face à l'ennemi en surnombre. Les camions auraient déjà dû exploser à l'heure qu'il est, le vieil homme a certainement échoué. Le commandant veut battre en retraite quand un de ses hommes est touché, de toute évidence ils ont surestimé leur force. Soudain, une explosion ébranle le champ de bataille. Le camp disparaît sous les flammes. En fouillant les décombres, les éclaireurs tombent sur ce qu'il semble être des pièces de canon et des obus. Il semblerait que les Allemands sont en train de monter un camp d'artillerie avancé quelque part. On a perdu un éclaireur, mais on récupère 500 de matériel et du moral. Ok. Allez, on a un niveau ici. Alors, travaille beaucoup mieux au centre de rééducation. Ouais, ça me va. Puisque tu travailles justement là. Et du coup, les éclaireurs, comment ça se passe ? Alors, la traque de l'artillerie. Ou alors le poison. Mais sauf qu'il est tout seul maintenant, le mec. Hein. Tout seul, zéro chien. Comment on fait pour recruter tous ces trucs-là? Est-ce que là, techniquement, je pourrais? Non, j'ai toujours qu'un seul éclaireur. Comment je fais pour rajouter des troupes et des chiens dans mon... dans mon pool? Ah bah voilà, ajouter un éclaireur, ajouter un chien. Ok, je peux mettre un chien. Ah et là donc ça coûte bien des... D'accord, donc j'ajoute un éclaireur de plus pour... Et là je peux commander, d'accord. Les chiens ça ne me coûte rien. Il y a deux chiens au camp. Une réquisition pour rajouter un mec dans l'équipe. Ouais. C'est parti. Bon après j'imagine que c'est pareil, ils doivent arriver par train et on n'a pas de train pour le moment donc... C'est comme ça. Bon, ils en sont où là? Oh, on a une ambulance qui arrive, fantastique. Encore deux blessés dans les tranchées, après on pourra commencer à la rapatrier. Et ici, ça se passe comment? Lui il est épuisé. Et il a rien à faire. Donc pour le moment, il va aller se reposer. Non, d'ailleurs, il va aller... Là, on va passer en quart, il va se reposer, et toi, il faudra que tu ailles bosser au cimetière plus tard. Pour le moment, on a autre chose à faire avec tes petits pieds. Ok, un soin correct et un événement. Nice, on gagne 2 de fatigue sur cet événement, le médecin ça va lui faire tellement de bien. Toi, tu vas être extrêmement épuisé là. Là tu vas être épuisé et toi extrêmement épuisé. Ok, donc pas de miracle pour le moment. Ici boss. Il va falloir qu'on se repose. Hein. Pour le moment pas le choix.
Non, là, on a tellement plus de trucs là. Ici, il bosse 24 heures sur 24 pourtant. Il n'y a pas beaucoup d'avis et c'est que des avis de critiques un peu bof bof. Ouais, bah après, les gens qui n'ont pas aimé le jeu, ils ont pas aimé le jeu quoi, mais ça c'est clair qu'on n'y peut rien. Ok, prochaine attaque là-bas. Non, vous savez quoi, vous restez un peu encore. Je sais que c'est pas gentil, mais. Il faut qu'on ait du monde disponible. Après, ouais, voilà, les avis, argumentés ou non, ouais, malheureusement, ça reste des avis, quoi. Ça joue sur la note. Donc, le jeu plante du réchauffé. Ouais, alors le réchauffé, dans le gameplay, il n'y a rien d'innovant, on est d'accord, mais le concept est quand même. Enfin, j'ai pas souvenir d'avoir déjà vu ce genre de jeu. Surtout aussi bien documenté, précis. Après planter, bon bah planter ça arrive, hein, ça. J'avoue qu'on n'y peut pas grand chose quoi. On a une infirmière qui bosse là, hein, ouais. Ok, ici encore 2 blessés à récupérer, 4 blessés en tout. Waouh waouh waouh, c'est chaud. Un obus aurait explosé alors qu'il inspectait les pièces d'artillerie. Ah bah c'est ballot. Oh là 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 là, l'opération de l'enfer, opération épuisante. Je vous informe qu'il est impératif d'opérer le général Henri Sinclair. Ah oui, c'est un général, tu m'étonnes. Et de l'envoyer en rééducation aussi vite que possible. Cet homme est essentiel à nos opérations en France, mais au vu de son état de santé actuel, il ne peut pas être évacué vers un hôpital en Grande-Bretagne. L'amélioration de son état de santé doit être votre priorité absolue. Fantastique. Tac tac tac, alors attends. C'est sûr, je pense que ça va remonter. Il y a un gars qui dit un célib avec deux enfants, n'importe quoi, avis négatif. Quoi? Ouais, effectivement, c'est du review bombing à ce niveau-là, quoi. Il va falloir qu'on l'opère direct. Donc, toi, t'enchaînes sur lui. Quoique, non, plus, ça serait, le mieux, ça serait que ça. Oula, on se calme. Le mieux, ça serait que ça soit toi qui le fasse. Parce que t'as ta petite réduction là. Était que fatigué et pas épuisé, on va dire. Par contre, ça devient vraiment tendu là. Ah, mais non. Un autre VIP, fantastique. Et en plus, un VIP là, bien sûr, par ici. Les mauvaises évaluations sont assez légères. Bah après, c'est vrai que si jamais vraiment ça se sent, ça se sentira quoi. Alors, je souhaite attirer votre attention sur ce patient qui a survécu au déraillement. Le docteur Gérard Lemaître, un chirurgien chevronné, qui s'est déjà porté volontaire comme médecin au front. Je recommande que nous l'aidions à se remettre pour lui offrir un poste de médecin. Mais oui! Mais totalement! Mais immédiatement! Mais à la seconde immédiate où on le fait tout de suite. Du coup, c'est toi. Est-ce qu'on peut le traiter tout de suite? Non, t'es épuisé, on va le traiter là du coup. C'est une opération assez simple. Pas assez de médicaments. Pas assez de médicaments. Pas assez de médicaments, on fait ce qu'on peut. Et Reacta, et ben écoute, regarde, le ratio est pas dégueu hein, pour bientôt le 15. Je pense que on peut dire que j'ai battu Bigadin, voilà. Il faut utiliser des termes précis et concrets. Mais c'est quand même tendu, c'est quand même franchement tendu. Hein. Là on vient de se prendre une attaque et les mecs sont pas frais. On va les laisser continuer de travailler encore un peu, sachant qu'ils se reposent quand ils ont rien à faire, un minimum. On est hyper tendu en médicaments, on bosse jour et nuit, on a une attaque sur notre train qui fait que notre train est coincé. Est-ce qu'on peut commander des ressources pour que ça arrive le plus vite possible? Non, pour l'instant je peux juste pas. Parce que dans 1h30 là ils vont avoir déblayé le train. Ok, un événement positif, ça fait du bien. Alors, on n'a pas l'outil d'amputation, on n'a pas assez de ressources, donc on y va, bah ok, on y va à la nique.
Eh ben tant pis. Fait chier. Allez, lui on le sauve. Cool. Il y en a encore un autre, je crois, derrière à te faire. Ouais, encore un autre. Je vais mettre une petite pause et on va arrêter l'épisode là. J'espère du coup qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, ça fait un bel épisode là. N'hésitez pas du coup, si le jeu vous a plu et que vous l'avez acheté, à aller faire des reviews positives sur Steam pour contrer le apparemment désagréable review bombing. Et puis bon, on se dit à très vite pour la suite. Ciao ciao tout le monde.